je vous propose de cuisiner un rable de lièvre sauvage des Ardennes belges, sélectionné par la boucherie. Je vais cuisiner en deux temps le rable de lièvre, d'une première fois pour le colorer à la poêle et dans un second temps après l'avoir fait reposer au four. Et ce rable de lièvre, je vais l'accompagner avec quelques raisins blancs légèrement caramélisés et une purée de betterave. Voici le rable de lièvre sauvage des Ardennes belges sélectionné par la boucherie.